Regardez, le 4x4 il roule. Donc le moteur il est fini. Mais ça on voit rien, t'as un brin là. Ouais, ouais, c'est normal. C'est ça quand non, c'est un chiffon s'il te plaît, on voit rien. Tu vas te branler. Chiffonnette. Viens un chiffon s'il te plaît. Attends, il y a un âge le truc. On voit que dalle ta merde. Même s'il broutasse un peu. Tiens, fais voir. Ouais. Vas-y, on est en Dakar. Ah, allez. Je m'en ai ça plein mal. Hey, 300 000 pouces bleus, on fait le Dakar avec Maxence. Mais t'es malade, toi. Avec ça? Ouais. T'as rien ouf ou quoi, toi? J'ai pas envie de crever, moi. On va rester dans le somme. Et là, avec le même, 240 chevaux V6. C'est complètement abruti. Avec ça, mon copain. Amis, je disais, on a fini, donc le moteur est fini, on est d'accord, plus rien à faire sur le moteur, hormis les vidanges. Si, hormis les vidanges, on fait quand même, il y a encore 2-3 trucs à vérifier, mais c'est rien de... Ouais, bon, 2-3 trucs à vérifier, mais le plus gros du moteur, il est fait, donc les courroies, le réseau d'eau, ah ouais, on doit mettre les filtres à air aussi, parce que Clampin, il s'est trompé, du coup, on a plus de... on en a plus, donc, enfin, il en a pris un carré alors qu'il est rond, donc déjà, il y a un problème, ça marche pas. Donc faut remettre un filtre à air et après on doit changer le filtre à huile, filtre à gasoil. Non, faut remettre parce que les clampins, quand j'ai acheté le Jeep, ils ont retiré le filtre à gasoil. Du coup, il s'est branché en direct. Donc on va faire les choses propres, on va faire les choses bien. Du coup, vas-y, va mettre tes tatades. En attendant, moi je vais faire mon petit discours. On va mettre les freins. Et puis, réviser les freins. Mais là, du coup, au niveau du moteur, tout est bon. Du coup, bah là, on va tout simplement aller faire un essai avec... le petit Brock et... Wow, il marche bien, mais de bâtard. De quoi? Mais attends, je vais accélérer. Hein. Non, mais il marche clean. Voilà, il y a un truc qui bouge. Il y a le pont qui bouge à l'arrière. Ah ouais? Ah, là, il y a un problème. Là, on est en trop, là. Attention. Quoi? Le charbon, il est là. De quoi? Ça marche? Ça a l'air. On a demi-tour là pour l'instant. Ça marche. Ça marche. Mais fais gaffe, ça tient pas la route ça. T'inquiète. Ouais, il a l'air bien marché. Ah, le pont il bouge. Le pont il va se décrocher tout à l'heure. Ouais, bah fais gaffe. T'inquiète. Et quoi, ça se resserre? Ah ouais? Et c'est grave? On met dans un chemin, je sais plus avant. Comme quoi? Putain, il me fait peur, il me parle pas! Oh lui! Ouais, mais il s'en bat la race, c'est pas le sien! Il faut bien le tester quand même. Oui, il est classe. C'est ça qui est classe. Ouais. En 3 là. Ouais, je crois. Putain.
fait peur. Il me fait peur à claquer tout. Ouais, faut le tester, faut le tester. Ah merde. Écoute, il chauffe pas. Oui, un préchauffage s'est rallumé. Oui, mais il s'allume de temps en temps, mais est-ce que je sais pas ce que c'est. L'huile, ça a l'air bon. C'est... Il a allumé le voyant là? Non, c'est un. Non, non, non. Non, il n'y a pas de voyant. Bon, pick up bien. Ah, mais oui, forcément. Ah, ça passe mieux. Bah, ça marche bien au moins. Au moins, le 4 roues il marche nickel. Bah oui, mon choker. Allez, dans l'angle carrément. Par contre, on a mis le 4x4. Ouais. Et même bruit que ça fait? Ouais, bah. C'est normal. Ça, c'est un bruit de pompe, ça. Et donc? Je sais pas, c'est un peu moyen, je dirais. On va déjà voir s'il y a de bois, la vache. D'ailleurs, on va se remettre en deux roues, on va essayer de. On va le tester après en pire. En fait, on va regarder s'il y a de l'huile déjà. Et s'il n'y a pas d'huile, au pire, c'est peut-être qu'un roulement, tu sais. Ouais. Bon, après, il faut démonter, il faut un kit de réparation. Ça vaut une couille. Non, c'est pas forcément une couille, mais c'est faut le faire. C'est ça le truc. Sinon, je reste en deux roues en attendant. Bah, tu bouffes quand même ton pont. Bah, tu casses le pont. Il m'emmène, y a pas de chemin, gros. Y a pas de chemin. Les herbes, elles sont aussi hautes que le jeep. C'est pour essayer, mon père. Regarde, putain, la pâture, elle est neuve, monseigneur. Attends, il y a un beau petit dénivelé, seigneur, là. Oh la vache. C'est ça, du caca. Oh, ils vont bourrer, quand même. Mais non, regarde. En 4 langues, mon père, marche arrière. On a patiné ou... C'est parce que... Oh bâtard d'enculé, ma peinture. C'est vrai, attends. On va monter. On va rester en bourbé. Mais non. Ce sont les rétros. Ils sont neufs les rétros, mon copain. Non. Si. Si, c'est bien sympa, ce qu'on est racheté. Après, on le remonte. De quoi on le remonte? Allez au chemin. On va faire demi-tour après. Eh, en pêche, c'est un beau paysage. Franchement, ça fait classe. Ici, c'est stylé ici. Franchement, c'est beau. Et Oh là 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 là. Ah, bâtard, mais gros. Il y a des rayons, monseigneur. Mais ouais, non, mais en vrai, ce côté-là, il était propre. Ouais, non, là, c'est chaud. En vrai, ça passe, mais il faut péter la branche. Ouais, on va péter la branche. Hein. Oh, mais putain, mais quel sagouin! J'ai déjà fait du 4x4, hein. Je connais quand même. Vidéo là. Ah bah du coup, c'est tondu. C'est un
levé une branche là. Oh ouais, bâtard. Il m'a défoncé la carrosserie. Bah recule pas. Il y a vraiment une branche. Bah je pense, hein, ça a pas fait un bruit comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Mais recule pas, tu vas la retaper dedans. Non, je recule en bille. Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, elle est là. Non, ouais, bâtard. Sérieux? Oh, regarde, oh. Elle a mangé. Elle a mangé la branche. Oh la pute. J'avais pas vu. Oh, mangé. Là, celle-là, je l'aurais évité. Bon, tu penses que pas. Mais il est neuf. Bon, direction la Norvège, les amis. Oh là 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 là, mais quel sagouin. Eh hey, d'ailleurs, je peux le conduire un peu? Ouais. Je te l'aime. Je te le repasse, on refait la boucle. Je laisse même pas m'amuser. C'est mon 4x4. Tu laisses pas m'amuser. Oh lui. Lui. On s'enroule dessus. Ah, ça fait crisser les dents, putain, j'ai horreur de ça. Ce bruit. Déjà, ce bruit est déjà horrible, mais quand c'est ta voiture, il s'en fout, il va me faire une peinture. Il va devenir carrossier peintre, tu vas voir. Ouais, franchement, Vincent, tu vas pas. T'as vu le nombre de rayures qu'il y a? Déjà, tu me dis, on va faire carrossier peintre. Je vais déjà te boucher tous les trous. Parce qu'il y a un père à tout. Oh, il m'a fait dégager le rétro, le con. Il se remet tout seul. Et dans le champ de tonnerre, il s'est réparé tout seul. Il y avait. Non mais quand tu prends plus de 80, il se fait remettre avec celui-là. C'est pour l'aérodynamie, c'est avec super. Celui-là, avec celui-là, sans déconner. Quand tu fais un burn, le rétro plop. Il se remet tout seul. Ouais, mais oui. Elle marche avant. Bah, je sais pas. Il est pas. Il est neuf, mon copain. Parfait, mon ami. Attends, bah, chauffage, non, on sait. Oh, oh. Damien, il y a du chauffage. Maman, il y a du chauffage. Il vient d'où le chauffage? Regarde, on a même la clim. Il chauffe de bâtard. C'est normal, il est chaud là quand même. Wow. Il chauffe, il est un peu plus calme. On a du chauffage, mon copain. Il doit être là. Température bien, 90, ouais. 100. Il doit être bien, ah, c'est ça. Ouais, bah ouais. Il n'y a aucun voyant d'allumé. Ouais. Les amis, on a du chauffage. Il n'y a pas de time. Lave-glace, mais lave-glace, il marche pas. Là, c'est peut-être juste la petite pompe, je sais pas. Ouais, faut regarder ça. À l'arrière, on dirait qu'il a envie de marcher. Mais bon, ça. Ouais, mais ça doit faire. Ouais. Sous-glace, non, toujours pas, non. Oh. C'est des fois qu'il s'en part tout seul. Ouais, non, mais déjà, on a la ventilation. Ouais, on a l'air frais parce que c'est vrai qu'il fait chaud. Ouais, c'est une tuerie, c'est une dinguerie. Mais au pied. Bon, je te le récupère. Ouais. On va quand même l'essayer, le 4x4. Tu le laisses sur la route ou tu penses? Non, je prends le chemin. Ouais, ok, comme tu veux. Maman, comment ça fume, mon copain. Je sais pas, c'est chaud. Bah, allez, vas-y, roule. Regarde. Mais attends. Les essuies. Ah, ouais, faut qu'on teste les clignotants. Bah, ils marchent pas. Bah, ouais. On en va. Si, si. Bah, ils sont là, ils sont dans le coffre. Ah, bah, ouais. Bah, oui. Mais il est complètement con, lui ou quoi, je vois. Vas-y, moi, je me mets en 4 roues. Hein. Bah, ouais. Là, c'est bon. Ouais, tu y es. Puis tu mets la une, normal. Allez. On va tester quand même. Ouais, fais gaffe, l'embrayage, ça change. Hein. Oh, ouais. Oh. Et c'est réparé tout seul. Oh, hein. C'est trop bien. Mais putain, mais c'est ce coup la gueule quand même. Ah, quand t'es passager, je pense que c'est pire. Ouais, ouais, mais. C'est simple. Oh ouais, oh l'embrayage, c'est une dinguerie. Gaz pour voir là en 4x4. De quoi? Gaz pour voir là s'il prend les tours. Regarde. Ouais, sur le turbo, tu vois, tout roule. Je sais pas si on voit bien, mais. Ouh. Elle s'ouvre la porte ou pas? Vas-y, gaz pour voir là. Ah c'est bon. Alors. Oh la porte a fait ça. Ah j'ai le voyant de température d'eau qui vient de s'allumer. Hein? Le voyant de température d'eau il vient de s'allumer. Non. Si il est en train de clignoter. Encore. Il chauffe pas là. Ça va? En 90 il est même refroidi. Voyant de température. Ah, c'est bon, il vient de s'éteindre là. Alors, ah non, c'est pas le voyant de température, c'est le lave-glace. C'est, regarde, c'est ton lave-glace, c'est le même voyant que là. Mais non, ta température d'eau, elle est là. Tu vois le truc en dessous là? C'est là ton voyant de température. Putain, oh. Les amis, je suis trop con. Je suis vraiment un teubé, mais depuis le début, en fait, il chauffe pas. Il mais chauffe pas forcément. Tu m'aurais dit ce voyant là, non? Ah, mais oui, c'était ce voyant là. Il cligne tout le temps, oui, effectivement. Ah! Et con lui, hein. Mais il est drôle, très drôle. Bon, bah, c'est bon, les amis. Regarde là, il clignote. Ah,
mais putain, mais je suis vraiment un teubé, moi. Vas-y. C'est normal le pont il chasse. Non mais on va regarder là. Eh, y a les barres stables tout ça, les caoutchoucs. Non, à gauche. Les caoutchoucs tout ça c'est mort, hein. C'est rincé. Ouais. On va regarder. En fait, le but c'était déjà le moteur. On va finir le moteur. Ouais. Et là on va lever là la semaine prochaine tranquillement, on va lever. Et on va nettoyer à fond tous les passages de roues. Ouais. On va démonter la moquette, ouais, les tapis pour voir les trous, tout ça. Et on refait un châssis en tout cas en meilleur état que ce que c'est là. Bon, ça y est, on est rentré. Bah, comme vous l'avez vu dans la vidéo, le 4x4 il marche nickel. Le moteur il est clean, il est neuf, il est refait, mais du feu de Dieu, un tonnerre. Je m'attendais même pas à ce qu'il soit aussi beau au final. Donc, ce qui reste à faire maintenant, ça va être de remonter la face avant déjà. Ce sera déjà pas mal pour qu'il ait une meilleure gueule. Bon, quoique, il a une gueule vénère comme ça en vrai. Ouais, mais on va attendre un peu. Mais les vidanges, contrôler les ponts. Contrôler tout ce qui est suspension, et puis après, quoi d'autre? Train roulant, les freins surtout. Train roulant et les freins, ah ouais, c'est parce ça. Que les freins, je crois qu'il n'y a qu'une seule roue qui freine. Mais c'est surtout que ça n'a pas roulé depuis longtemps. Du coup, on va contrôler tout ça. Ah oui, et on doit s'occuper du châssis parce qu'il y a des trous dedans. Donc dans les prochaines vidéos, on s'occupe de tout ça. Donc surtout, si vous voulez rien rater, abonne-toi, active la cloche, et puis suis-nous pour de prochaines aventures. Allez, sur ce, on se dit à la prochaine. Peace.